Bonjour à tous, je suis Pierre-François Dollet et avec mes collègues Marie von Hein et Johan Barraston, nous vous proposons pour cette 10e édition du festival Dans les jardins de William Christie une danse qui est issue de l'opéra Indian Queen que vous allez pouvoir voir sur scène lors du deuxième week-end du festival. C'est une bourrée, la New Bourrée. Alors avec Jeanne, on va vous la montrer et Marie va nous accompagner évidemment au clavecin. Vous allez voir, c'est un air enlevé, une sorte de pastoral. Et donc on va vous la présenter avec Jeanne. Donc cette danse d'Indian Queen, la bourrée, se décompose en deux phrases musicales A et B. Je vais vous apprendre déjà la première phrase qui est très amusante avec un petit jeu de mime. On commence face à sa partenaire et on va donner main droite et crocheter coude à coude à main droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 8 temps. Et on va faire frappe sur les cuisses, frappe dans les mains, pied droit, pied gauche, et frappe sur les cuisses, frappe sur les mains, et coude, coude. Puisque l'idée, évidemment, c'est de se rapprocher d'un partenaire, et quoi de mieux pour se rapprocher que de se toucher le bout des pieds ou les coudes. Et on recommence 8 pas à coude gauche. Et cuisse les deux mains, suivez-moi, cuisse les deux mains, attention. Voilà la première phrase, la phrase A. Nous allons la faire juste la phrase A en musique avec Marie. La phrase B, la deuxième phrase. Alors, on commence par une figure habituelle des contredanses, c'est ce qu'on appelle le dos à dos. Pour faire le dos à dos, vous allez croiser votre partenaire à épaule droite, glisser dans son dos sans vous retourner et recroiser à épaule gauche en formant une sorte de U. Puis on va faire un simple à droite, un simple à gauche et un tour sur soi-même à épaule droite. Et la phrase B se reprend, on fait un tour à deux mains, 8 pas. Et encore une fois, simple à droite, simple à gauche, et tour à deux, tour sur soi-même. En musique, juste la phrase B. Et à droite, à gauche, tour sur soi, à épaule droite, tour à deux mains, simple à droite, simple à gauche et tour sur soi. Alors quand vous aurez la chance de reproduire cette danse entre amis avec une grande assemblée, eh bien après le dernier simple à droite, simple à gauche la deuxième fois, plutôt que de refaire un tour sur soi, je vous propose de croiser votre partenaire à épaule droite pour aller rencontrer un nouveau partenaire. C'est ça qui est amusant. Voilà, mais nous allons rester tous les deux pour cette fois. Voilà, vous constaterez que on va faire cette danse deux fois. Sur la deuxième fois, nos mimes seront un petit peu différents. Et l'idée, c'est que vous improvisiez des jeux de mains à votre convenance lors des fêtes, puisqu'ils improvisaient ces mimes à leur goût, à l'époque évidemment des rois et des reines, dans les châteaux ou les galeries pour les bals. La bourrée d'Indian Queen, tous ensemble. Thank you.
Et bien sûr, on finit par une révérence pour saluer sa partenaire. Et donc, n'hésitez pas à reproduire cette danse dans vos jardins pour faire la fête. Et puis, on espère vous retrouver pour cette 10e édition du Festival dans les jardins de William Christie.